Mets-toi à côté pour qu'elle puisse voir quand même la grande dame qui est en bas du monde. Merci. Chef Odilon. Venez ici à vos invités ce que vous avez fait en entrée, non? Comme ne pas savoir ce que c'est. Comment toi, je présente pour vous. Chef Odilon. Chef Odilon. Bon, quand il y a de la robe, elle est délicieuse. Est-ce que c'est un poisson? Moi, je crois. Jambonneau de volaille, des gambas, du filet de mérou. Oui, du filet de mérou. Et quoi encore? Filet de bœuf aussi. Filet de bœuf. C'est tout? Oui. Et du choukouya si j'aime bien. Choukouya à la fois. Bon appétit. Donc il y a à manger. Je ne savais pas que vous avez des locations. Après, je peux vous faire. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier. Vous regardez déjà même la beauté de la maison, déjà même ça reflète déjà même la personne qui m'a invité. Et c'est le haut standing. J'ai été invité à un dîner par la boss, Madame Kevin Yao, la lady boss. Vous m'avez regardé son teint, ça parle anglais. La nourriture, la table, vraiment tout est fait de manière extraordinaire. Elle a dit à Couture Nationale, tu es Abidjan. Je te reçois chez moi à la maison et toute ton équipe. On est parti tout à l'heure dans son usine, dans son... Bon, je ne sais pas comment je vais appeler ça la guerre. Donne le nom. Ce n'est pas un empire, c'est des bureaux. Des bureaux. Voilà, une entreprise. Voilà, tout à l'heure. Et là, on est venu partager un repas en famille. Donc, la voici qui est juste en face. C'est une femme très classe, très simple, très réservée, qui n'est pas trop de nos chichis d'Internet, mais bon, qui a voulu quand même me recevoir. Et ça, c'est à saluer. Je suis ici accompagné de mon ami, le gars de sécurité, plus mon Théisson qui est à côté. Il est où le Théisson? Tu vas dire quoi? Maël, son mot d'hier. Donc, en partant le dîner ensemble, voilà, donc suivez-nous et puis mangez ensemble, c'est ça qu'il s'agit. Mettez les gueules. Landry, je sais pas. Si tu t'emmènes, tu peux faire visiter la maison. Vas-y, on monte le balade. Et donc, on rêve un peu. Même nous, on rêve bien. Depuis l'extérieur. Depuis dehors. Tu peux t'arrêter au salon, au premier salon là-haut. Pas plus loin. Pas dans ma chambre là-bas.
Ah, ok. Allô? Il y a plus à côté. Chef, vous pouvez faire le service, hein? Les gens ont... Monsieur le directeur, attends, tu seras fatigué, ton bras va quitter. En fait, tu vas croiser les temps, va dire-le. Tu vas t'avoir en train de passer. Hein. Mais ça, vous pouvez vous asseoir et puis faire. Oui, viens à côté, viens à côté, c'est bon, viens. La montre que tout vient. Voilà. Voilà bon. La plus belle. Je dis un petit mot aux abonnés qui te regardent. Bonjour tout le monde. Enfin, je pense que beaucoup me connaissent déjà. C'est Kevin Yao. Ouais. Vous savez que je ne parle pas beaucoup, donc. C'est juste un dîner, donc à Poutchoub, c'est un frère. Donc comme il est à Abidjan, je l'ai invité à partager un repas dans mon humble demeure. Donc voilà un peu. Il n'y a rien d'extra, c'est juste un dîner. Mais bon, j'ai ma façon de recevoir. Ceux qui ont déjà mangé chez moi savent que bon, chez moi, je ne sais rien faire à peu près. C'est mon défaut dans la vie. À peu près, je ne connais pas. Donc voilà un peu, un petit dîner chic. On va bien manger et puis bon, voilà. Ok. Merci beaucoup, maman. Voilà.
Donc la famille, ce soir ici, je suis goulé. Hein. Vous avez regardé à Poutou manger. L'on porte les goules maintenant. C'est important. Maintenant, les frères, la pauvreté, elle est là. C'est important. Il va fuir moi-même. Allez, mais sans plus. Je suis venu manger, je suis une dame caviar. Je sais comment j'ai arrivé ici, mais comment j'ai battu là, je ne sais pas. C'est la valise, ils vont me donner, on ne sait jamais. Tout le monde, si c'est la valise, demain, je vais dire de 21 à 6h du matin. Ah, voilà, c'est savoir. Tout oh my vrai. God. Ah, regardez, je l'ai dit. La bosse. Bosse, il n'y a pas son deux. Quand on dit bosse, c'est bosse. Ah, on ne doit pas bosse à tout le monde. La force tranquille. Elle ne parle pas beaucoup. Elle sourit seulement. Mais si elle a mis sa main à ma poche, regardez, vous voyez, elle sera 4 si mon cou avant qu'elle soit d'ici. Mais elle est une des or, des diamants. Les gens, on a un pays là. Ah, ça, c'est le haut niveau. Donc, déjà, dis déjà merci à cette grande dame qui me reçoit à la maison. Franchement, c'est un honneur pour moi de venir dans ce genre d'endroit sans plus que véritablement le Apoutou National a une dimension. Exactement. Et cette dimension-là, où se dimension notre débat sur cette dimension, oui. Bon diable. La table, hein. Ouais, enfin, mais la honte, moi aussi, devant la grande dame. Donc, dans cette dimension, il faudrait que je sois à la hauteur de ça. Merci. Regardez comment nous c'est. C'est pas les meilleurs gars qui mangent. C'est léger mais c'est consistant. Crevette là même là. Regarde mes crevettes là. Ah, d'accord. Donc, c'est qu'est-ce que voici ça. Hein? Un peu de purée à côté. Voilà, c'est la nourriture, tu manges, tu sens que. Je dis au-delà, je vais effrayer la galère. L'humain que. À tout le monde. Regarde aussi. Donc, maman, merci pour le repas. Et puis, bon, voilà. Ben, bon appétit. Bon appétit à tout le monde. Oui, bon appétit. Quand on a fini de manger, quand je serai parti en faire le point. Reste pour le dire. C'est sur moi qui s'est dirigé le direct ou sur non, vraiment, ah, d'accord, ça va. Bon appétit. Merci. On n'a pas prié parce que le chef même, il a déjà béni le repas. C'est les entrées de bonjour, mais c'est quoi? Là, on est rentré dans la résistance. Hein. Ah, nous, on veut sortir. Hein. Là, on est allé là. Puis c'est résistance. Nous, on ne fait pas aussi rassasier. Ouais, mais elle fait 7 ans, il est vous serez rassasié. C'est comme dans l'avion. Dans l'avion, quand vous voyez le repas, vous trouvez que c'est tout petit, mon chien et tout, mais après vous voyez, non. Il y en a tellement. Tu vois comment il venait là. Il n'y a plus de business là. Et même, avant, ils ont regretté pourquoi ils m'ont donné. Oh my God. Chaque 2 minutes, monsieur, champagne. Quand tu fais ça, ils vont te voir en nouveau riche aussi. Il est bien, mais ça va combien? Tu veux rembourser ton bien. Il y a deux de chemin. Tu veux rembourser ton bien en même temps. Il va faire chaud, ils ont laissé la porte ouverte. Non, c'est bon, allez. Non, si il laisse la porte là, il va faire chaud. La cuisine, il fait chaud là-bas. Dormir. On doit récupérer Taylor. Qui a besoin de mettre sa mère? Qu'est-ce que vous avez? Vous, c'est du Laurent Ferrier. Vous, hein?
ou du bilta, si vous voulez. Mmh. Du bilta. Tu connais ça? C'est un animal. Je vais me faire la galère aujourd'hui. C'est un peu de champagne, pas la bidème. Arrête de prendre les. Ça se passe bien après ton séjour? Oui. Mais voilà, tu fais direct, tu direct. Ça passe très bien. Tant mieux. Et tu en as pour combien de temps? Tu restes combien de temps? Je reste au 15. 15 avril? Non, 15 avril. On est en avril? Ouais, ouais, 15 avril. D'accord. Enfin, je pense que tu as quand même passé de bonnes vacances. Oui, je suis là de plus de 17. Donc ça fait un mois déjà. Ah, quand même. Je pensais que tu venais d'arriver. Non, je fais un mois que je suis là. Un mois propre. C'est bon, c'est toujours bien à Béja. Ouais. S'il te plaît, je peux avoir un autre verre, hein? Un autre verre? Donnez-lui un verre de champagne, je pense qu'il n'en a plus. Champagne? Ah ouais, je bois deux champagne. Ouais, t'as pris. Ils vont lui donner une nouvelle. Servez-moi le souris. Les filles de peuvent être filmées. C'est moi qui t'ai invité, vous ne pouvez pas que me filmer et laisser l'invité. Non. Filmez l'invité. Oui. Pourquoi il m'aura? Tu n'es pas bien vilain. Hein. Allô? Il en a dit. Ah d'accord. Bonsoir, Marie. Consentez les filles. Ils vont servir autre chose. Ah, la lady boss qui nous reçoit ce soir. Merci. Normalement, je vais faire un discours d'entrée, mais bon. Bon, mais en même temps, comme il y en a qui sont en carême, mon chien et tout, ouais. Donc, cheese. Okay. Amour, gloire et beauté. Toi, t'es carré, carré, toi, c'est quoi? Faut boire, faut boire. Pas d'accord, après. Mais c'est bien pour toi quand même parce que. Tu as réussi à ajouter une corde à ton arc. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai invité. C'est quoi ça? Tu chantes maintenant, tu es devenu un chanteur. Non, non. C'est bien parce que les compétences, ça vaut mieux parce que c'est ce qui reste, tu vois, au final. Il faut avoir des compétences. Et là, c'est très bien. Je pense que c'est très bien pensé. Je pense que tu as fait un festival ou un truc comme ça aussi. C'est bien. Il pourrait te faire un concert privé ici, tranquille. Assis dans ta piscine, là-bas, moi, je chante. Tu es boss, maman. Tu vois, les soirs, être à goûter de champagne, tu vois, les pieds sont mal. Tu vois, monsieur Dieu, les rois, tu vous aurais fait. Je suis la griot de la lady boss. Tu vas être traîné. Tu vas payer la noix pour équiper la porte. Non. Mon pied est fait ici, là. Non, je ne vais pas vouloir. Projette ta robe, là, pour ce moment. Maëlle m'a déjà ramené des gens qui devaient se peindre. C'est ça, non? Ils devaient venir s'arrêter comme des robots. J'ai pas voulu. J'ai trouvé ça trop inhumain. Je n'ai pas voulu quelqu'un. Tu l'as perdu. Elle a perdu tout le monde arrêté. Elle a essayé de regarder sa voix. Non, mais moi, non, c'est pas normal. Non, non, c'est. Regardez, tu dis quoi? Tout est normal. Vous pouvez être assis là-même là. Combien il y a même perdu là? Je trouvé ça inhumain. C'est l'argent, tu vas voir. C'est pas pour vous qui c'est pas. C'était pas pour moi. Mais je trouve ça inhumain quand même. Ça, parce... C'est inhumain. Non, c'est comme si j'abusais. Tu n'abusais rien, vous mais c'est là. Nous, moi, ma soeur d'un jour. J'ai pas ta vie de père ou tout. Oh my god, Apoutchou, non. Attends, tu sais quoi, Apoutchou? Tu ne vas pas porter tout ça parce que là, tu es en train de bien gravir les échelons, tu vois. Tu n'as pas besoin de tout ça là. C'est tout ça là qui est gravi. Hein. Non mais tu sais quoi? Tu vas venir ça. Tu n'as pas besoin de ça. Loue-moi un jour, dimanche, là, qui t'es couché dans ta piscine là. Et moi, il vient, il a même perdu sur moi. Si tu veux bien couler. Je peux jamais faire ça. J'aime bien Rose, non? Il a même perdu Rose. Rose, pas pour ça. Voilà. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Pourquoi? Elle a pour ça. Et c'est ta griot. La seule chose que je peux faire, c'est de montrer comment on fait.
La toute la lady boss après une chose. Mais je pense quand même que le monsieur là, le roi d'Ouz, je pense pas qu'il se qu'il s'attendait à ça aussi. Non, c'est amusant. Il s'attendait pas. Je pense qu'il a dû être super embarrassé. Moi, j'aurais pleuré en tout cas si quelqu'un me faisait ça. Hein? Ah, j'aurais pleuré. Bon Dieu, j'allais fuir la personne. Je n'allais pas fuir la personne. Là, la deuxième, il y a 6. Envoyez sur moi. Envoyez. Aujourd'hui, on mange comme au resto. C'est pas un buffet, c'est à l'assiette. Allô? Oui? Vous comblez que je ne mange pas de fruits demain. Monsieur Abou, vous n'avez rien mangé. Un bon bété, il veut du riz. Il y a du riz, hein. Dites-leur de vous envoyer du riz. Ils n'ont qu'à sauter les étapes pour vous. Mais vous venez, vous. Qui a la voiture? Qui a la voiture là? Mais vous venez à la voiture là à l'hôtel. On a quand même place à prendre. Il a ici, c'est quoi? Ah non, toi, c'est un mot. Qui veut plus ici là? Maman dit à nous, il y a un mot. Donc, quand j'étais. Oh my god. Appréciez pour elle, appréciez pour elle. Hé, bonjour. Qu'est-ce que tu fais tout ça? L'homme qui pêche la vie, quelqu'un assis à côté de moi. Je vais essayer de me dire. Les abonnés! Je suis à Abidjan et pas de voiture. Elle m'a donné or, matin là. Elle m'a dit or là, ça fait 2 millions. Après, je vais porter, je porter. Je suis arrivé dans le salon, dans le coin de maman là-bas, tranquille. Elle m'a reçu comme un roi. Je suis devant elle. Elle m'a dit, on sait jamais. Elle m'a trouvé caméra à ciel. Seigneur, Apoutchou. Maman, il n'y a pas de voiture. Voyez ça ici. Attendez, regardez, mettez le cœur. Maman, il n'y a pas de voiture. En fait, comment? Mais. Oh. Suis... Mais il n'y a pas de voiture. Ay, ton fils n'a pas marché. Tu dis ton fils en train de gratter. Filme-le. Il faut couper le téléphone là. Comme ça. Oh my god. Coupe le téléphone là. C'est pas important. Voilà. Filme la maman. Il n'y a pas de voiture. Tu dis ton fils en train de grimper. En pas grimper échelle et puis en marcher à Abidjan. Voilà. Mais non, tu es venu en voiture. Tu es venu en voiture ou pas? C'est voiture de celui qui est assis là. C'est voiture de l'autre encore. À vous qui le. Moi, t'as pas de voiture. Il marche à Abidjan. Elle m'a déposé. Non, c'est pas. L'abonné, ils ont pas d'abonné, maman, faut payer votre. Faut te dire, lève-toi. Applaudissez pour elle encore. Maman. Maman. J'ai vu que mon staff n'applaudit pas. On est 2600 personnes à suivre en direct. Je suis sans vécu, on fait comment? Bon, je te donne ma voiture pour aujourd'hui. Ah, pour aujourd'hui, c'est moi. Mais après, c'est même. Il y a Aurora de 400 000 francs, 500 000, vous voulez. Où est mon gars? Non, pas de niveau, non. Si. Mm-hmm. Le niveau, c'est le niveau. Après, on va dire, quand on avait déjà, Apoutchou, tu sais par quoi on va commencer? Ouais. Déjà, le niveau, tu sais, tu as dit que tu voulais faire quoi? Effrayer la galère. Ouais. C'est ça? Oui, effrayer la galère. Je t'apprends comment on effraie la galère, alors. Il faut même pas prononcer le mot pauvre. Ouais. Ever. Never. Jamais. Ça doit même pas sortir de ta bouche, même pour rigoler, tu vois. Peu importe, tu peux dire, si tu veux dire pauvre, tu peux dire ceux qui ne sont pas riches. Mm-hmm. Mais au moins, on attend riche. Il faut travailler sur ton subconscient. Habitue ton subconscient à la prospérité. Donc, il y a des mots que tu ne peux plus employer. Tu ne peux même pas dire je marche à pied. Non, tu vois, toutes ces choses-là, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire non, je marche à pied, mon cher et tout. Tu vois, je vais te donner une anecdote. Hein. Moi, je suis de l'intérieur du pays. Donc, quand je suis arrivée à Abidjan, la toute première fois, quand j'ai mis mes pieds à Abidjan, c'était chez ma grande soeur. Et c'était ma première fois à Abidjan. C'était à Yokougon. Donc quand je suis arrivée, je lui ai demandé si c'est où. Elle m'a dit Yokougon. J'ai dit, bon, si on classe à Abidjan les communes, c'est dans quel ordre? Elle dit l'avant-dernier. J'ai dit, moi qui vis dans l'avant-dernier. C'est que tu... J'ai dit, bon, le premier, c'est où? Elle m'a dit Cocody. J'avais quoi? Peut-être 14, 15 ans. Je me suis retrouvée à Cocody. C'est-à-dire, la première fois, j'ai jamais pris de baka, des choses comme ça. J'ai eu des copines à Abidjan, elles prenaient Woro Woro, peut-être qu'il y en a qui vont me suivre, elles savent. Et je leur ai dit que je ne peux pas monter dans Woro Woro. Je ne dis pas que ceux qui montent dedans, chacun élève son niveau, son esprit, parce que tu sais, moi, ma philosophie est simple, où tu te mets, Dieu est là-bas avec toi. Tu vois? Donc, dans ça, même s'il fallait que j'aille à pied, c'est-à-dire si je n'ai pas, je préfère marcher que monter dedans. C'est-à-dire, tu te conditionnes. Et tu vas voir, les choses vont prendre un niveau. Donc, il y a des thèmes que tu ne peux plus aborder. Je marche,
Tu peux juste dire, maman, passe-moi les clés. J'ai quelque part où aller, je veux partir avec ta voiture parce que je vais arriver en Range Rover. Par exemple, tu vois, ça passe. Mais tu n'es pas n'importe qui. Je pense que si je t'ai quand même invité à ma table, c'est que tu as réussi à gravir les échelons au point de m'intéresser. Moi, je ne me fais pas voir sur Internet. Je ne fréquente pas les gens, je n'invite pas les gens. Tu vois, non? Donc, tu dois savoir que tu as un niveau aujourd'hui. Le langage doit changer. Les gens qui t'aiment, ils t'aimeront toujours. Mais pour toi-même, tu vois, pour ta propre grandeur, pour, tu vois, donc il y a des choses. Tu ne marches pas à pied, d'accord? Tu peux avoir ce que tu veux. Toutes les voitures, tu peux monter dans n'importe quelle voiture. Il faut que tu comprennes. En fait, c'est comme si tu n'as pas accepté. Il faut accepter de faire partie de l'élite, d'accord? C'est pas un pied dedans, un pied dehors, hein? C'est deux pieds dedans, l'élite, d'accord? Donc, tu dis pas, tu marches à pied. Tu vas à un concert. Moi, je ne sors pas dans tous les cas. Donc, si tu veux la voiture, moi, je te la donne. Non, 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 je n'ai pas. Tu vois, non. Mais marcher à pied, non. Je préfère la galère la semaine. Ah, non, tu la as voiture, vu. Ah, Poutchou, tu peux dire, c'est pour vraiment m'habituer à la prospérité. Maman, je vais frayer la galère. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour frayer la galère? Non, mais là. Non, le mot même. Tu peux dire que je veux m'habituer à la prospérité. Faut dire certains mots, faut pas mettre des trucs dans ton sac. Comment faire? C'est très simple. Fais-moi habitué à ça. C'est simple. Tu es déjà habitué, tu es là. Tu as vu combien de personnes ici? Moi, j'ai déjà invité quelqu'un. Les gens qui sont sur les réseaux, tu m'as déjà vu inviter quelqu'un. J'ai dit, Lila, c'est pour faire deux mois quoi. Tu as vu que tu dis que tu es déjà rassasié, non? Qui est rassasié? Tu as vu que c'est pour faire deux mois. Et un chef! Il faut appeler le chef. Effectivement, c'est ton aussi. Lui aussi. Regardez le lit de ton servi. Chef, vous voulez qu'à Poutchou prenne mon nom sur Abidjan. Qui est le chef là? Donnez-lui une meilleure proportion de lit. Il fait 134 kilos, hein. C'est bien, après de ça. Après qu'elle est blanc, mais bon. Chef. Chef. Il est où, chef, au Dilon? Il arrive. Hein. Il va donner. Il faut donner une meilleure proportion de riz à Poutchou. Il a faim. Je rejoins Poutchou sur ce point. Hein. Vous pensez que ça a monté au serveur à manger? Si t'as coupé carrément ça là, tu vas mourir. Monsieur, je suis pas de riz. Tu as donné une bonne de riz dans pas de deux mois. Oh my goodness. Ne parlez pas, hein. C'est de vous. Après, j'ai dit que non, allez, amène. Amène pas de joie, hein. Mais où serait rassasié, il y a trop à manger. Puis, je suis à faire le temps. On dit après, ça s'arrête. Ah, Poutchou, il a déjà fini ton assiette. Donnez-lui du riz. Il veut une meilleure portion de riz. C'est bien fait, franchement. Merci. Il y a de la viande, tout ça. Mais c'est pourquoi. Vas-y, moulou, moulou. Non, mais en même temps, peut-être qu'il mange vite, donc il a besoin d'aller vite aussi. Miss Lord, c'était comment au bureau? Super. D'accord. Ouais.